Bonjour à tous les amigos et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de cette série de tutos sur Minecraft Sky Factory 4 et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la forme. Alors aujourd'hui ça va être un petit épisode intermédiaire. Nous sommes actuellement en train d'étudier le mode Tinker's Construct et on va faire un moule pour des lingots et un moule pour des pépites. Vous allez voir, c'est très simple, ça va être nos premiers moules et on va voir ensuite, on fera d'autres moules pour par exemple une pioche, une épée ou encore des armures. Allez, on y va. Alors, pour faire un moule de lingots et pour faire des moules en règle générale, on va voir qu'on aura souvent besoin d'or. Donc, n'hésitez pas à stocker votre or puisque ça va nous servir beaucoup pour les moules de Tinker's Construct. Alors, pour faire le moule de lingot, rien de plus simple. Il suffit donc de faire couler de l'or sur un lingot, quel qu'il soit. Et ça va nous donner donc notre pochoir à lingot. Allez, on va faire ça. Pour cela, on va faire fondre tout d'abord de l'or dans le melter. On va placer un lingot sur la table de fonte. Et on va attendre patiemment que l'or fonde dans le melter. L'or est maintenant fondu. Je vais pouvoir faire un clic droit sur le robinet. Et on voit que la table de fonte se remplit d'or, et du coup, ça va me permettre de faire un pochoir à lingots. Ce pochoir à lingots va me permettre, du coup, à chaque fois que je vais faire fondre un item, de pouvoir le transformer en lingots simplement avec la table de fonte et ce pochoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'un épisode précédent, eh bien du coup, on avait un bassin de fonte, et du coup, on était obligé de faire fondre du coup les matériaux directement en blocs. Un bloc, ça représente quand même 9 lingots. Donc, il fallait attendre d'avoir l'équivalent de 9 lingots liquéfiés pour pouvoir le transformer en matériaux. Et bien, maintenant, on va pouvoir directement transformer en lingots nos matériaux liquéfiés. Alors, on peut aller encore même plus loin, puisque des fois, on va avoir des quantités de liquide qui seront inférieures à un lingot. Pour ça, on va faire un pochoir à pépites. On y va. Alors, tout comme le pochoir à lingots, il suffit, pour le pochoir à pépites, de faire couler de l'or sur une pépite. Je place une pépite sur la table de fonte, je clique sur le robinet, et je n'ai plus qu'à attendre que cela sèche, et me voilà avec un pochoir à pépites. Par exemple, je vais poser mon pochoir à lingot. Il me reste 144 millibuckets, si ça devrait être un lingot tout rond, normalement, effectivement, c'est un lingot, et hop, regardez, j'ai pu produire un lingot supplémentaire. Et voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Je voulais faire un épisode plutôt court pour vraiment parler des pochoirs, des premiers pochoirs, surtout celui à lingots, qui est très important dans Tinkers et dans ce mode pack. On le verra par la suite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cocher la petite case des notifications et à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de cette série de tutos sur Minecraft Sky Factory 4. Allez, ciao, bye bye.